Pamela Petit, c'est un casse-cou, c'est une daredevil, c'est quelqu'un qui part derrière son père tout le temps pour voir qu'est-ce qu'elle peut faire, comment elle peut aider. Mon père est policier, je l'aide même à dessiner les accidents. Quand il y a des accidents, j'adore regarder ce qu'il fait. Ouais, c'est un casse-cou qui se blesse tout le temps. D'abord, l'amour pour la patrie. Je crois que ça a commencé à l'école. Je me souviens que le maître d'école, à l'école primaire, Gurdjieff Moer, c'est bien après que j'ai su que c'est lui qui avait créé, avait aidé à créer les couleurs du drapeau mauricien. Donc il était le maître d'école et il a inspiré en moi ce côté patriotique, je pense. Bon, c'est aussi mes parents, hein, bien sûr. Je me souviens de ça, de ce côté patriotique. Par rapport à l'environnement, petit à petit, ma mère est quelqu'un qui lit énormément, qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui se passe dans le monde, et elle nous en parlait tout le temps. Donc quand il y a eu alunissage, donc sur la Lune, elle nous en parle. Quand il y a la Mococadis, qui est un navire qui s'est échoué avec de l'huile partout, dans la mer, etc. C'est elle qui m'en parle, c'est elle qui nous en parle en fait. Et donc, je crois que ça vient là, de là. Petit à petit, c'est cette prise de conscience qu'on fait en tout et qu'on est parti de tout. Et je crois, enfin on me dit, mon oncle me dit qu'à l'âge de 10 ans, dans un anniversaire, je déclare que je veux travailler pour les Nations Unies. À l'âge de 10 ans. Je ne m'en souviens pas moi, hein, mais il dit que c'est ça, ça. Donc je crois que ça influence aussi beaucoup ma vocation, mon envie de travailler pour le monde, pour les gens. Donc l'environnement fait partie de ça, c'est-à-dire le côté tout, holistique. Et quand je suis à l'université, donc là je passe les années de collège, etc. Quand je suis à l'université, je fais ma première année d'un bachelor's degree, c'est en France, donc c'est une licence en biologie cellulaire. Donc déjà, on est vers les plantes et les êtres humains. Ensuite, je fais une maîtrise en physiologie végétale, donc tout ce qui est plante, savoir comment la plante, elle réagit, etc. Et à partir de là, j'ai un choix, soit intégrer un laboratoire et aller travailler avec un microscope. Je crois que je me serais ennuyée, mais à mort. Et puis, quoique j'aime le tout petit, voir ce qui se passe aussi. Et puis, ben, l'autre solution, c'est ben, d'aller chercher un boulot. Et c'est là où la cellule d'orientation de l'Université du Pasteur, où je suis à Strasbourg, me guide et me dit, de tout ce que vous nous racontez, on dirait que l'environnement vous passionne. Et il y a un cours environnemental, un diplôme qui est nouveau. Ça fait 2 ans que ça existe. Non, ça fait une année que ça existe. Et c'est à Strasbourg, pour toute l'Europe, pour toute la France, pardon. Et est-ce que ça a l'air de coller à ce que vous voulez faire? Donc je vais à l'Institut Éco-Conseil, qui délivre un programme environnemental, un diplôme environnemental professionnel. Je les rencontre et je postule. Je postule et ils prennent à l'époque 30 candidats sur 150 personnes. Je rate. Je ne suis pas acceptée, donc la première année, je ne suis pas acceptée. Et ils me disent parce qu'ils ne voient pas le côté personnel, comment je me suis impliquée moi-même pour l'environnement. Ok. Là, je continue ma maîtrise parce que je suis encore en train de faire ma maîtrise. Et je commence à travailler pour un fast-food parce que j'avais besoin d'argent. Donc, je travaille pour ce fast-food, balayer la rue, nettoyer les toilettes, servir, vendre des produits, etc. Et là, je commence à voir quelques employés qui laissent la lumière allumée, laissent l'eau couler, s'en foutent, ou alors font beaucoup de gaspillage par rapport à la nourriture. Et je commence à leur dire, je dis, mais vous ne pouvez pas laisser la lumière allumée, vous ne pouvez pas laisser l'eau couler dans les toilettes ou dans au lavabo, comme ça, il faut fermer. Ils me disent, mais pourquoi tu te casses la tête? C'est le patron qui va payer tout ça. Et voilà, la fibre écologique commence à se structurer.
Et je postule une deuxième fois pour Éco-Conseil, l'Institut Éco-Conseil. Et là, je suis retenue sur 150 candidats, je suis retenue pour l'entretien. Je fais l'entretien et on dirait que ça a pris, que j'ai pu les convaincre. Et je les ai convaincus aussi sur le fait que je voulais rentrer chez moi, dans mon pays, à l'île Maurice, pour pouvoir faire un projet sur les algues, pour pouvoir aider les gens à gagner leur vie. Je suis retenue. Et donc, je suis retenue pour la troisième promo de l'Institut Éco-Conseil. Et c'est 6 mois de cours environnemental avec des professionnels. Donc, on apprend tout, l'environnement, la loi environnementale, les entreprises, comment ça fonctionne, la communication. Donc, on a une experte en communication. En fait, c'était une comédienne qui vient nous expliquer, et on nous filme en même temps, comment faire une conférence de presse, comment parler aux gens, comment faire de la médiation par rapport à l'environnement. Donc il y a tout un apprentissage qui est pas seulement lié au fait environnemental, technique, mais également à comment partager l'information, comment approcher les gens, etc. Donc 6 mois et 6 mois de mise en situation professionnelle. Et c'est là où je suis acceptée par un cabinet d'études. Pour faire un stage de 6 mois, payé, une amie et moi. Ce stage de 6 mois, c'était pour aller dans les villages, dans les mairies, etc., pour voir un peu qu'est-ce qu'ils faisaient et comment on pouvait intégrer l'environnement dans leurs pratiques. On part dans la mairie, on discute avec les gens et très vite, je réalise que c'est pas ce que je veux faire. Je veux dire, je vais être enfermée dans un cabinet d'études, on va faire du greenwashing, en utilisant une éco-conseillère qui fait un stage. Donc j'avais contacté le Conseil de l'Europe, j'avais fait un entretien. Alors que je démarre avec ce cabinet de consultants, j'ai un coup de fil en rentrant à la maison qui me dit « Voilà, vous êtes prise en stage au Conseil de l'Europe. » Donc je pars au Conseil de l'Europe. Et là, c'est une belle aventure. C'est vraiment un travail. Mon maître de stage, qui est un Belge, il est étonné que je travaille vraiment pendant mon stage. Parce que, en général, ben, ceux qui viennent pour les stages, ben, ils arrivent le matin à 10h, ils vont prendre un café, blaguent un peu avec tout le monde, etc. Mais moi, j'ai fait un stage où je voulais vraiment avoir une dissertation, c'est pas une thèse, c'est une dissertation. Que l'on soumet. Donc j'ai fait mon stage autour d'un thème qui s'appelait, donc j'ai une dissertation que j'ai présentée qui s'appelle « Nous sommes tous des pollueurs, mais la biotechnologie peut nous aider à nous amender ». Donc je ponds ce document-là en allant chercher des informations, je contacte le secteur privé, j'essaye de voir qu'est-ce qu'ils font, je contacte la Lyonnaise des eaux du Metz à l'époque qui est beaucoup dans la gestion des déchets, l'assainissement, tout ce qui est effluent, toxique, etc. Je les contacte et j'organise une grande conférence pour tous mes amis éco-conseillers qui sont éco-conseillers en devenir avec toutes les pontes de la Lyonnaise des eaux du Metz qui quittent Paris et qui viennent à Strasbourg. Je ne sais pas comment je fais ça, hein, mais j'obtiens la salle de conférence, le grand amphithéâtre. J'ai tous les patrons de la Lyonnaise des eaux qui sont là, etc. Donc on fait une conférence pour qu'eux viennent nous dire comment ils sont en train de prendre en considération l'environnement. Donc l'Institut Éco-Conseil m'a vraiment aider à comprendre ce que j'avais en moi par rapport à l'environnement et m'a aidé à développer le côté professionnel par rapport à l'environnement. Je suis donc de la 3e promotion. J'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que c'était une promotion qui était en partie financée, donc j'ai pas eu à payer ce cours. Parce que c'était encore financé par l'Union européenne. Ma mère m'a beaucoup parlé, m'a beaucoup inspirée. Elle était toujours impressionnée par ces grandes institutions. Elle me parle de l'UNESCO, par exemple. Donc pour moi, les Nations Unies, c'était l'UNESCO.
Et puis mon père, donc, qui était policier, il était sergent, à un moment donné, un de ses collègues quitte Maurice pour aller travailler pour les Nations Unies à Genève. Et il devient le responsable, au bout de plusieurs années, il devient le responsable de la sécurité au Palais des Nations à Genève. À un moment donné, je contacte l'ami de mon père qui est à Genève. Je lui dis, Rachid, j'ai envie de travailler pour les Nations Unies, comment je fais? Il me dit, écoute, c'est toi qui dois te défendre, c'est toi qui dois dire ce que tu proposes, tu es éco-conseillère, moi je peux t'obtenir quelques rendez-vous. Je vais demander à quelques bureaux des Nations Unies, quelques agences, s'ils peuvent te donner rendez-vous et t'écouter. Rachid me prend 3-4 rendez-vous, je crois, pas à Genève. Je suis déjà enceinte de mon aîné. Je pars à Genève, conduis jusqu'à Genève, de Strasbourg, toute seule, j'y vais. Et voilà, je rencontre dans une journée plusieurs. Je vais à l'IMC, je vais à World Tourism Organization, je vais à d'autres bureaux comme ça. Et je vais à un bureau qui s'appelle UNITA, UN Institute for Training and Research. Et j'arrive, le gars qui me rencontre me dit « je cherche quelqu'un pour m'assister, pour être mon député. » Et « qu'est-ce que vous avez fait ?» etc. On discute et je lui dis « je suis enceinte de 3 mois. » Je dis à tout le monde, hein, à chaque fois, parce que je me dis « ça peut être un deterrent for some people ». Mais ça peut aussi, ça montre aussi que je suis ouverte. Je dis, ça se voyait absolument pas, hein, plate comme une. Donc, je dis, et il me dit, en ayant discuté avec moi, il me dit, consider this your lucky day. Je dis, ok, d'accord. Je repars à Strasbourg. Il me dit, on va vous contacter dans une semaine. Une semaine après, j'ai un appel et ils me disent, tu as le job. Donc, même maintenant, quand j'y repense, j'ai des frissons parce que je me dis, aujourd'hui, on ne rentre pas aux Nations Unies comme ça. Donc, j'ai eu énormément de chance de tomber sur ce qu'il faut, les gens qu'il faut. Mais j'avais aussi, je pense, bon, le bagage que j'avais, l'envie. Et j'avais aussi dit, dès le départ, que je voulais rentrer chez moi. Donc, j'avais déjà fait 10 ans en France. Hein. Je voulais rentrer chez moi, je voulais rentrer à l'île Maurice. Et donc voilà, je enceinte de 3 mois, et je me dis, mais c'est ça les Nations Unies. Tu es enceinte de 3 mois, tu leur as dit, ils te prennent quand même. C'est-à-dire qu'ils savent que dans quelques années, dans quelques mois, ben, tu vas devoir prendre un maternity leave. Et ils te prennent quand même. Voilà, je prends toutes mes affaires, je prends la voiture. Il n'y a que Raj et moi là, à l'époque. Donc je prends la voiture, lui il se débrouille à Strasbourg et moi je vais vivre à Genève. Tous les week-ends je fais l'aller-retour et je travaille jusqu'à pratiquement mes 9 mois à UNITA. Je repars vers Strasbourg, on fait la pause pour avoir le bébé et puis après on repart tous les deux à côté de Genève, donc à Divonne-les-Bains, où on vit pendant plus d'une année. Alors trois, oui, parce qu'à ce moment-là, ouais, le bébé aussi. Donc j'ai mon bébé à Strasbourg. Donc j'ai Talia à Strasbourg et on part. Là, on a déjà tout ramassé avec l'idée de repartir pour l'île Maurice un jour. Donc on quitte tout à Strasbourg, mais déjà avec la famille de Raj, en fait, qui est là-bas. On a vendu toutes nos affaires, mais on a quand même gardé quelques petites choses. Et on part à Genève. Raj s'occupe de Talia, qui est encore bébé, et qui, donc dans la journée, il s'occupe d'elle. Et moi, je travaille à Genève, je traverse la frontière tous les jours pour aller travailler. Je reviens là pour l'après-midi pour m'occuper de Talia, petite famille. Et je ne sais plus à quel moment j'ai mon chef, Hakim, qui m'appelle et qui me dit, tu sais, il y a une possibilité qu'on va ouvrir un de nos programmes à l'île Maurice. Est-ce que tu es intéressée ?
Oui, tout de suite. Oui, tout de suite. C'est... Unita m'a apporté beaucoup de compréhension de ce que c'est que les Nations Unies. Je ne l'ai pas retrouvé ailleurs. C'est-à-dire à Genève, c'était un mélange de collègues de tous les pays. Il y avait des Suisses, il y avait des Pakistanais, il y avait des Ukrainiens, des Turcs. Il y avait de tout dans ce bureau-là. Et c'était vraiment l'esprit international, l'esprit des Nations Unies au niveau international. Comment on peut faire pour aider, etc., les pays. Et je m'occupais d'un pays africain. J'étais contente, j'ai appris des choses, mais je voulais quand même rentrer chez moi. On quitte Genève avec un bébé dans le ventre, une petite qui a 18 mois, Raj qui a quitté son boulot, et avec l'espoir de venir travailler pour les Nations Unies à Maurice. Je rentre. Malheureusement, quand je rentre, le programme dont j'étais supposée m'occuper ne se met pas en place. Il y a eu un changement de gouvernement entre-temps et le programme ne se met pas en place. Et j'appelle Genève, j'appelle UNITA, je dis voilà, le programme ne va pas se mettre en place. Et ils me disent reviens, reviens au bureau à Genève. Je dis non, un, je ne peux pas prendre l'avion. Deux, on a déjà amené toutes nos affaires. On a fait venir les voitures, on a fait venir un container avec nos affaires. Non, je ne veux pas revenir à Genève, moi, je veux travailler ici à l'île Maurice. Donc je me retrouve en fait sans boulot. Sans boulot. Je suis rentrée, j'ai pris le risque de rentrer. Je me retrouve sans boulot. Et là, je suis invitée à une conférence, Quenvex. Que la MEXA, je crois, oui, organise. Et je rencontre des gens et je rencontre un ami qui, malheureusement, n'est plus là, Diwa Ganga Persad. Et Diwa m'apprend l'environnement à Maurice. J'avais besoin de comprendre qu'est-ce qui se passait. Il m'amène tout autour de Maurice, il m'explique, voilà ce qu'on a fait avec les mangliers, voilà ce qu'on a fait pour les pêcheurs, voilà quel est le problème environnemental. Je vais au ministère de l'Environnement, je me présente, je dis voilà tous les diplômes que j'ai. Je vais à UNDP, je rencontre le Resident Representative de UNDP de l'époque. Et il me dit, mais on cherche quelqu'un, justement avec vos connaissances, avec votre background, vos diplômes, parce qu'il y a le GF Small Grants Program, il y avait un National Coordinator, il y a eu deux National Coordinators, une première bon, qui n'a pas... Ça n'a pas marché. Une deuxième qui choisit au bout d'une année d'occuper un autre programme au PNUD. Et venez, on va voir. On me fait passer un test pour voir si je suis apte, etc. Et je participe au recrutement comme tout le monde. Et je suis sélectionnée pour être consultante pour 3 mois pour voir comment ça marche. Depuis, je m'occupe du GF Small Grants Program. Donc voilà, encore une fois, en tapant les portes, je crois que j'ai forcé la chance, beaucoup de toupées, le côté Daredevil qui se blessait partout, etc. Oui, c'est ce côté-là qui a fait que... C'est d'insister. D'insister, de savoir... Ce que je voulais, fight for it. Fight for it. Et ça, je dis à tous les jeunes. Aujourd'hui, je suis dans la transmission. Dans la transmission, j'ai eu beaucoup de stagiaires, énormément de filles en tant que stagiaires chez moi. Et à chaque fois, tout de suite, leur donner des responsabilités réelles. Pas à le faire café, à le faire photocopie, des choses comme ça. Responsabilité réelle en leur disant que cette responsabilité que je vous donne, ça a un impact sur ma performance à moi. Si vous ne travaillez pas correctement, ben moi je vais devoir refaire ce que vous avez fait, etc. Donc ça veut dire que tout de suite, c'est un job réel. C'est ce que moi j'ai eu comme chance quand je suis rentrée à UNITA. On m'a tout de suite donné un job réel.
au-delà du programme dont je m'occupe, dans ce programme-là, c'est vraiment voir comment on peut avoir une économie circulaire, locale, et permettre aux gens vulnérables d'intégrer l'économie. On ne peut pas faire de l'environnement juste pour faire de l'environnement et de la protection de la nature. Il faut que l'environnement et la nature aient une valeur économique et pas seulement sociale. À ce moment-là, on arrive à élever les gens et à leur faire gagner leur vie grâce à la protection de l'environnement. Donc, pratiquement tous les projets que j'ai soutenus sont des projets où il y a de l'entrepreneuriat, qui marche ou qui ne marche pas. On apprend de nos erreurs, mais c'est l'entrepreneuriat pour pouvoir permettre aux gens d'aller de l'avant. Ce qui fait que les tisanes médicinales qui se vendent aujourd'hui dans 40 supermarchés, qui se vendent dans 8 pays différents, qui se vendent au duty free, qui vont se vendre bientôt sur la boutique des Nations Unies au niveau de headquarters de New York, online, c'est aider des femmes qui avaient perdu leur emploi à regagner de la dignité, à gagner leur vie dignement, à apprendre à parler, à faire des démarches et à sortir de la victimisation dans laquelle elles étaient. Donc là, par exemple, pour le moment, le projet qui me motive énormément, c'est des femmes à Rodrigue qu'on est en train d'aider à faire des gélules de safran, des gélules de curcuma. Pourquoi est-ce qu'on est en train d'importer des gélules de curcuma de je ne sais pas quel pays en vente en pharmacie, alors que le curcuma turmeric, donc on appelle ça safran maurice, rodriguez, est extrêmement bon, c'est de l'or. Donc là, les gélules, les machines sont arrivées, les gélules sont en train d'être testées et je suis en train d'essayer de trouver un marché, une pharmacie, qui serait intéressée à vendre. Ça date de l'édition de 1947. J'adore lire. J'adore lire tout ce qui est scientifique et vulgarisé. J'adore lire les romans qui associe ce côté-là. J'adore marcher. J'adore aller marcher à Montchoisy tous les dimanches, faire de la marche rapide. Mes filles, elles sont autonomes aujourd'hui. Elles ont fait leurs études toutes les deux. J'adore discuter avec elles parce que, au-delà de 18 ans, nous, on s'est dit, mon mari et moi, on a fait ce qu'il fallait pour nos enfants. Aujourd'hui, elles nous donnent la possibilité de vivre dans leur monde. On rencontre leurs amis, on est invité aux anniversaires. Alors qu'il n'y a pas d'autres parents, on est invité aux anniversaires. On se dit, mais on est les seuls parents à être présents. Profiter de mes filles, profiter de mes enfants, les voir grandir professionnellement, les voir grandir personnellement, et puis profiter de la vie, nous aussi. C'est ce que je fais, c'est ce qu'on fait. C'est ça, le bonheur tout simple. J'adore voyager. Donc, quand on peut, on voyage un peu. On a fait un voyage avec les filles et leurs copains en 2022. Donc, en famille. Dès qu'on dit qu'on veut voyager, mon mari et moi, les filles disent « Oui, 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 où est-ce que vous voulez aller ?» Elles ne sont pas parties du programme, mais elles veulent venir. Et donc, j'ai une fille qui vit à Londres, qui travaille à Londres. Elle est partie étudier, elle est restée là-bas. Et une fille qui travaille à Made in Maurice, qui s'éclate dans son travail également. Donc, c'est un pur bonheur de les voir faire ça. Et puis, le futur, c'est professionnellement et personnellement,
comment se recycler une fois qu'on termine avec les Nations Unies. Donc cette année, 30 ans, j'ai encore quelques années. Je réfléchis déjà à m'investir dans la vie sociale, toujours avec le côté environnemental, bien entendu, et à profiter de toutes ces connaissances que j'ai eues, à les mettre au service de la nation, à continuer à les mettre au service de la nation. De mon temps, je dois être à l'extérieur, être en train de visiter et voir comment se passent les projets, surtout évaluer les difficultés qu'il y a sur le terrain. Donc ça demande beaucoup de mon temps pour voir si l'argent que nous sommes en train de donner est en train d'être bien dépensé et s'il y a des moyens pour aider les ONG et les proponents, donc les participants des projets, à améliorer leur réalisation, implémentation de leurs projets. On lance pour la première fois un petit film qui sera sur tous les vols d'Air Mauritius à partir du 1er août prochain. Donc c'est un petit film qui va expliquer les règles d'approche pour les baleines, les tortues et les dauphins à Maurice. Comme vous le savez, il y a beaucoup de ces animaux marins qui sont dans nos eaux. Et malheureusement, il y a certains visiteurs qui pensent qu'ils peuvent approcher ce qu'on appelle la faune et flore marin n'importe comment. Donc ce sont des règles qui vont leur expliquer comment les approcher, quelles sont les précautions à prendre. Et donc à partir du 1er août, première fois, donc un petit film en collaboration avec Air Mauritius et AML sur tous les vols pour pouvoir expliquer les règles aux touristes et aux visiteurs. Donc je suis là pour pouvoir vérifier que tout se passera bien pour la cérémonie, voir un petit peu la logistique et tout. Donc à Ferney, le projet, en fait, c'est un projet d'un agri-hub qui se situe à Ferney. Et Ferney, ce n'est pas un lieu où je finance des projets. Par contre, je suis membre d'un consultative committee de CEPF, donc le Critical Ecosystem Partnership Fund, qui est implémenté à Maurice par la Fondation Ressources et Nature. Donc aujourd'hui, je visite ce beau lieu, ce beau cadre, pour voir un petit peu comment les projets que nous approuvons dans le comité sont en train d'être implémentés sur le terrain.